Clyde. Je vous en prie, ayez pitié, laissez me rejoindre votre culte, je suivrai fidèlement tous vos enseignements. J'accepte. Je vous en prie, ayez pitié, laissez me rejoindre votre culte, je suivrai fidèlement tous vos enseignements. J'accepte. Préparons-lui un plat à base d'excréments.
Dis donc, à Sally, ça se fait pas, hein. Je vous en prie, ayez pitié, laissez-moi rejoindre votre culte, je suivrai fidèlement tous vos enseignements. J'accepte. Je vous en prie, ayez pitié, laissez-moi rejoindre votre culte, je suivrai fidèlement tous vos enseignements. J'accepte. Ne bouge pas. Croyons moins, adepte. J'accepte. Oh, merci infiniment. Ne bouge pas. Croyons moins, adepte. J'accepte. Quelle chance que notre guide ait un tel sens de l'humour. Ne bouge pas. Croyons moins, adepte. Oh, merci infiniment. Croyons moins, adepte. Je suivrai fidèlement tous vos enseignements. J'accepte. Bou. Bonjour. Bonjour, bonjour. Coucou tout le monde. Salut, salut. Installez-vous. Allez vous faire un thé. Il faut juste que je réponde à un message vite fait. C'est important. Donc, je vous reprends dans 2 minutes. Mais coucou tout le monde, du coup je vous dis quand même bonjour, coucou Simon, salut Manéa, coucou Jojo, salut Doraka et coucou Gub, installez-vous, allez vous faire un chocolat chaud, un petit thé, je suis à vous tout de suite pour notre petite soirée cassage de genoux, voilà. Casser des culs, exactement. Tout à fait. Oui, c'est vrai, Gub, que t'as loupé Spider-Man 2 hier, mais c'est dispo sur YouTube et sur Twitch, d'ailleurs. C'était une bonne session, j'ai bien kiffé. Je passe un très bon moment. Ah non, alors par contre... Les musiques sombres et déprimantes. Ah ouais. Alors c'est aussi sombre et déprimant, mais c'est pas grave. J'aime bien cette chanson. Ouh là là. Attendez, les chats se battent, je vais juste voir ce qui se passe. J'arrive, hein. Pardon, excusez-moi. Bon, je finis de taper mon message, là. Aïe. Je regarde la rediff, mais c'est pas pareil, mais c'est vrai. C'est vrai. Bah, tu peux commenter tout fort, du coup, mais c'est vrai que c'est pas la même chose. Thank you.
Ok, c'est good. Pardon. Commentez, oui, commentez dans le chat. Non, bah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, les chats sont... ont décidé d'être relous ce soir, voilà. Tout simplement, comme d'habitude, finalement, j'ai envie de vous dire. Chance! Stop crying! Putain, ce pigeon, quoi. Bref, bonjour! Comment ça va? J'espère que vous avez passé une bonne journée. Hop. C'est bon, je suis à vous. Ce soir, oui, oui. Juste ce soir, bien sûr. Absolument. Bon, comment vous allez? Ça marche, Doraka, à toutes. Bon jeu de rôle. Va péter les rotules des méchants aussi. Oh là là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, pas grand-chose, en vrai. J'ai rien fait de mon jour off. Tant mieux, c'est pour ça que c'est fait, les jours de vacances. Ça tombe bien. Faut mettre les trois dans une boîte. En mode time. Ah ouais, non, mais le problème, c'est que si je fais ça, à mon avis, je perds mes deux bras, tu vois. Ah, nice, ta boîte de Legos, Doraka, c'était rapide. Cool. Bah moi, j'ai fini de démonter la coccinelle pour pouvoir la remonter avec vous demain. Ça m'a pris trois soirs quand même, hein. Bon, ouais, j'ai fait entre une demi-heure et une heure, mais... Enfin bref, ça m'a bien pris, ouais, deux bonnes heures, quoi, pour le faire. Et ça a niqué mon vernis aussi, mais c'est pas très grave, du coup je referai. Et voilà. Du coup, c'est bon, je suis prête. Et c'est cool, j'ai hâte. Par contre, c'est le bordel, toutes les pièces sont mélangées dans une boîte. J'ai plus de sac. Donc ça va... Je sais pas trop comment je vais pas... Je sais pas trop comment je vais me débrouiller pour remonter tout ça. Alors si, j'avais le démon de briques, donc il m'a bien servi et tout. Mais dans ce truc, il y a... Enfin, sur cette coccinelle, il y a vachement de pièces qui sont plates, tu sais, dessus. Et même essayer de mettre le bout fin du démon de briques... Entre, ça marchait pas. Donc, du coup, j'ai dû prendre mes ongles. Voilà. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Oh, le display Pokémon du Japon. Vas-y, balance des photos, Jojo, on veut voir. Ah bah, le vernis abîmé pour quand je fais un stream où vous voyez juste mes mains, c'est vrai que... C'est vrai que c'est pas ouf, hein. C'est vrai que c'est pas ouf. Autant que le seul truc que vous voyez soit présentable, quoi. Mais bon. Ça marche, Gub. Bon lurk. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on joue. Ah, pouf. On arrête de bailler. Et on joue. Je pense que c'est une très bonne idée. Alors, on vous remet le son, déjà. Hop, bim, bam, boum. Hop. On s'est arrêté à un moment relou du jeu, où j'arrivais pas. Donc, il va falloir reprendre tout ça en main. Et avancer, hein. Et avancer. Alors, si on se calait correctement, déjà, c'est une bonne idée, non? Attendez, je place le clavier de manière stratégique. Voilà. Je l'éteins. C'est très bien. Comme ça, si Chance vient nous voir. Voilà. Allez, on va leur péter les rotules. Hop. On s'installe. Alors, comment on joue à ce jeu? Je me souviens plus bien.
Ouais, cette zone de mort. Comment on a dit qu'on faisait du coup? C'était le feu hein, qui lui allait pas à l'autre là. Allez, j'ai plus rien à balancer. Le feu, ça brûle, c'est vrai. Ça, c'est très très vrai. Ah ouais, il est comme ça lui. Bon, va falloir que je trouve la bonne manière de le battre parce que en fait, le gros problème avec lui, j'ai l'impression que c'est qu'en fait la salle est vraiment petite quoi. Et c'est très ça rend les choses hyper compliquées. Salut Albimus, tu vas bien? Putain, je me suis plantée là. Laisse-moi tranquille! Oh là 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 là, terrible, 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 terrible. En fait, cette salle est beaucoup trop petite, c'est l'enfer. Attendez, si, je sais, j'ai une idée. Vous savez, on avait fait ça avec un mini-boss relou. Le bras de défense. Ça va au fait le son et tout pour vous? Nickel, très bien. Très bien, très bien. Oh non, ça va pas, Albimus, courage. On t'envoie des paillettes. Ah.
Mais... Putain, mais... Ok, bon, bah, j'ai beau appuyer sur les touches, en fait, ça fait rien. Je pense que je suis potentiellement un peu lourde, en fait. Donc... On va faire un truc. Je sais pas si ça va faire une grosse différence. Et... Ah mais j'ai pas de sous de toute façon. Je serais bien contente quand on l'aura passé ce mob, hein. Je l'aime pas. Hein. Il m'a mis une baffe lui. Non mais dis donc, je te permets pas en fait. En fait, je me suis plantée de... J'ai fait l'attaque de le truc de défense. J'aurais dû faire le truc d'attaque. L'attaque de fable. J'ai cru que j'avais mon trident, mais en fait, non. Mais c'est terrible, en fait, cette petite salle. Parce que du coup, j'ai vraiment du mal à bouger et tout... Heureusement qu'on a débloqué le raccourci là. Je me dis s'il fallait que je me retape tout le chemin à chaque fois. Quel enfer. Il m'énerve. Je sais pas comment faire d'autre en fait. Je comprends pas comment je peux l'avoir plus que ça en fait. J'ai l'impression de pas faire les choses comme il faut. Qu'est-ce que je loupe là en fait? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que je peux faire différemment en fait? Je comprends pas. Les genoux! Je viens de perdre 5000 balles à cause de ça.
Bon, et bah écoutez, comme ça, j'ai plus à, à essayer de récupérer mes sous, on s'en fout. Ah. Je viens de perdre 100 000 balles. Comme ça, là, c'est gratuit. Allez, hop. Ok, bah lui il m'a pas vu, donc j'y vais. Faut se prendre la tête, hein. Mais... Tiens, 5000 bits pour compenser Kit 6IP. Mais Jojo, mais merci, mais ça va pas ou quoi? Mais non, mais Jojo, mais par contre faut que t'arrêtes de me donner tous tes sous ou ça va pas? C'est beaucoup trop, merci. Mais non, mais faut... non, mais vraiment, Jojo, merci beaucoup. Faut vraiment que je te fasse une émote, hein. Ah bah du coup, tu les as les 10 000 alors maintenant. Bon bah du coup, je vais faire une commission pour créer une émote pour toi. Je vais faire ça. Mais merci beaucoup, hein, vraiment. Une émote ou un badge? Une émote. Laisse-moi tranquille, putain! Soigne-toi. C'est vrai que t'as un joli badge. Non mais je vais t'en faire un autre plus beau, hein. En vrai. Bon, faut que je me mette au travail, alors. Bon, on aurait jamais été aussi loin que ça, avec lui. Mais je sais pas ce qu'il faut que je fasse de plus, en vrai. Parce que le problème, c'est que là, je perds grave en attaque. Mais c'est trop chou, Jojo, merci beaucoup. C'est gentil de financer les raffles. Bah en ce moment, les sous de Twitch, ils financent pas mal de trucs, hein. Des nouvelles émotes. Surtout des nouvelles émotes. La prochaine Switch qui va sortir. Les raffles. Les jeux. Bah dans photo, sur le Didi si tu veux, Jojo. Ah mais lui en fait on peut l'esquive, pourquoi je fais pas ça depuis le début, je sais pas. Est-ce que j'ai des trucs, je suis en train de me dire, est-ce qu'il y a des trucs là qui pourraient m'aider? Pas vraiment.
si je fais ça? Est-ce que je suis plus rapide peut-être? Ça se tente. Bon, je vais... Il faut vraiment que j'attache cette attaque rouge, il faut vraiment que je l'évite. Hein. Il est vraiment pas beau lui, encore plus laid qu'un Manflayer. Ah bah ça c'est clair. Il est pas beau et puis il fait mal surtout. Pas vu. Alors. Préparons-nous. En vrai, j'ai l'impression que ça a vachement aidé quand même le... Deux, ça suffit. Bim. Ah oui, ok, c'est l'attaque rouge, ça va pas. Ok, mais peut-être que si j'arrive à parer, en fait, ça sera mieux. Je pensais pas que je galérerais autant, même en revenant. Je pensais que c'était la fin de soirée la dernière fois qui m'avait porté préjudice, mais en fait non, c'est juste qu'il est, il est horrible à faire quoi. Pardon. Les mini-boss ou les gros mobs, c'est toujours les pires. C'est clair. Mais non, mais là, vraiment, ce qui me pose le plus problème, c'est de pas avoir de place. Parce que je peux pas m'échapper, en fait. Et c'est ultra frustrant. De pas pouvoir bouger.
Allez, barre-toi, toi. Fais demi-tour. Après, je me demande si mon attaque spé de cette arme-là fait pas plus de dégâts, peut-être. Ça se tente. Ok, bon bah je pense que c'est ça le truc qu'il faut faire. Hein. Du coup. On vaincra. Ce que je peux faire même... c'est devenir super léger. Il y a ce reste-là, en fait. Oh, je vais l'avoir en trichant. Je vais l'avoir en trichant. Incroyable. J'y crois pas, je l'ai eu en trichant. Let's go. Bon. Je m'en tape. De réduction des dégâts physiques. Ok. Manéas, ça venait du cœur. Tu triches pas, il est débile, c'est pas pareil. Le jeu permet, c'est pas de la triche. C'est vrai. À qui j'ai dit ça l'autre jour? À mon chéri, je crois. Très bien. Écoutez, très bien, très bien. Écoute, je vais rester léger, je pense. Ça me plaît. Oh là là! Jojo, incroyable, toutes ces cartes! Mais du coup, tu l'as reçu avec toutes les cartes dedans ou t'as juste acheté le truc, le display? Et c'est tes cartes à toi que t'as mis dedans? Oh là là, incroyable! Ah, ça s'est ouvert là-bas. Ok, j'ai compris. Bon bah, let's go, on continue, hein. J'ai un peu peur. Il y a un Stargazer, ok.
Je vais rechanger de bras. Avec ça, c'était quoi le truc explosif? C'était le plus simple. Hein. C'était le plus intelligent à faire. Et lui, je pense que je l'ai eu une fois sans me faire toucher. Je suis pas sûre de, réussir à nouveau cet exploit. Ok, il y en a un là. Pardon, mais ce bruit est incroyable. Il a le bras long, lui, quand même. Ok, y a rien d'autre, là. Montre. Et il y en a un autre là. Je sais pas pourquoi je pète tout ça, moi. Ah putain. Alright, très bien. Ensuite.
Ok. Livre d'introduction pour les techniciens d'atelier. Sous-titre Devenir technicien d'atelier, introduction pour les candidats. De nos jours, aucune autre ville dans le monde n'attire autant l'attention que Krat, la ville des marionnettes. Lors de la visite du tout-puissant V, ce n'était encore qu'un village de pêcheurs. V, c'est Vénini, non ? La ville a connu un formidable essor au cours des 30 dernières années grâce à l'industrie des marionnettes. Les marionnettes fabriquées dans les ateliers de Krat sont célèbres pour utiliser une nouvelle technologie bien différente de celle des concurrents. Les marionnettes de l'atelier sont aussi complexes que les humains et exécutent les ordres de leur maître si naturellement que les gens se demandent si elles ont une âme. De nombreux concurrents ont essayé de copier les cœurs mécaniques spéciaux de l'atelier, mais ils ont échoué et ont juste démontré l'existence d'un immense fossé. Le monopole de la pierre de puissance ergo et les compétences nécessaires à son optimisation, voilà ce qui donne l'avantage à l'atelier de Krat. Mais les débuts de l'atelier n'ont pas toujours été faciles. L'histoire de l'atelier commence avec un artisan légendaire et ses archives sont d'excellents manuels pour les néophytes. L'artisan légendaire G, donc Gepetto, connu de tous les techniciens. À la page suivante, nous en apprendrons plus sur ses exploits. Il n'y a pas d'autre page, ok. Ok, bon bah let's go, on avance. Très bien. Alors là, il y a un truc à loot. Oh non, 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 j'ai pas du tout envie d'aller là-bas. Please. Putain, Jean-Michel! Ah, ok. Quelqu'un là, non? Ah non, pas du tout, c'est un gramophone, ok. Alors attendez, parce qu'en fait là on a plusieurs possibilités, comment on fait? On regarde où ce raccourci nous mène peut-être, comme ça si on meurt. Peut-être se soigner alors hein. Faut pas que je mange tous mes M&M ce soir, faut que j'en garde pour le live Lego, c'est vrai ça. Ce que je comprends pas, c'est que je peux aller par là. Moi, j'arrive... Attends, mais moi, j'arrive d'où? Ah oui, moi, j'arrive de là. En fait, potentiellement, je peux descendre. Pour looter en fait. En fait c'est ça le trip.
ça se tente. Mais je suis là en fait. Ok. Ah bah ça va aller le coup. Là on est là où on était au début en fait. Yes. Plus de trucs au shop. Let's go. J'ai eu peur de devoir redescendre à cet endroit-là, mais du coup, je suis contente. Il y a des trucs pas très jolis qui nous attendent en haut. Ah. Ah putain, c'est un mini boss. Il fait trop peur. La musique met à l'aise en tout cas, putain. Juste un truc, attendez. Je crois qu'il m'en faut 4. Et comme ça. Alors, attendez, on change de tactique. Du coup... C'est ouf. C'est par là, hein. C'est pas là. C'est où le raccourci ? Ah, c'est là. De frame. Allô.
J'ai eu un... J'ai drop à zéro au niveau des frames. Ah. Ça va couper. Allô? Allô? Allô, 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 allô? Vous êtes de retour ou pas? Enfin, c'est moi qui suis de retour. Alors, ça a pas coupé le stream. Mais j'ai le bitrate qui... J'ai le bitrate qui... Ah si, ça a coupé le stream quand même. Qui a bien drop. Oh non, ça va me faire deux VOD. Oh, trop chiant. Trop relou, ça. Ouais. Zut. Bon, c'est pas grave. Du coup... Vous aviez le halo en boucle. Ah! Merde. Il y a eu un restart du stream. Ouais, j'ai bugué. Enfin, ma connexion internet a décidé de me lâcher. Pendant quelques secondes. Mais tout va bien là, vous voyez l'image et tout? Merde, j'étais coincée sur le mur. Tout est good. Ok, bon bah, let's go, on continue alors. Hein. On se fait casser la gueule, là. Hein. Boire un peu de thé. Ouais, non mais Jean-Mich, il fait aucun effort, hein. Mon thé est froid. Ça, ça a pas dû se jouer à beaucoup parce que OBS, il me dit toujours que ça fait une heure qu'on est en live en fait. Ah, j'aurais dû changer de... J'aurais dû changer de... De bras. C'est pas grave. Par contre, tes attaques spéciales, s'il te plaît, tu peux éviter de me les faire en boucle, ça m'arrangerait. Non, ok, d'accord.
Mais laisse-moi me soigner aussi, là. Ah bah, j'ai pas pu me soigner. Super. Super, hein. Est-ce qu'on n'essaierait pas le sabre pour voir... Voire même, vous savez quoi? Je tenterais bien la faucheuse. Ah, j'aurais dû rechanger de bras. J'arrête pas de dire ça et à chaque fois j'oublie. C'est pas grave. Mais comment utiliser des fables pour rien en fait? Aïe! Non! Je suis pas sûre de la faucheuse. En fait, alors, changeons de bras. Déjà, qu'est-ce qui peut bien marcher? On peut essayer le bras ça, hein. Le gourdin. Of course. Oh, elles sont trop belles, tes photos, Silent. Trop bien. C'est quoi comme jeu, The Invincible? J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui jouaient, mais j'ai aucune idée du genre de jeu. Que c'est? Un jeu narratif. Cool. Soigne-toi! Sci-fi d'après une nouvelle de Stanislaw Lem. Ok, cool. J'ai fait n'importe quoi, j'étais
pas du tout dans le truc. J'ai vu une notification pop, j'ai cru que c'était un raid et pas du tout. Et parce que j'attendais la notification, j'étais en train de me dire merde, ça marche pas. Mais c'est pas du tout un raid en fait. C'est Seb qui a fait un shout out à la chaîne. Merci Manéa d'avoir fait le dommage, j'ai cru qu'on avait un raid du coup. J'ai peut-être pris la version signature en physique. Pourquoi ça m'étonne pas? Oh tiens, dis donc. Alors rien à voir, mais j'ai une notification comme quoi As Far As The Eye avait ship. Merde! Ok. Ok, donc midlife, ils deviennent deux. Ils viennent. D'accord. Ok, non mais calmez-vous en fait. Il y a des pins, trop cool! Trop bien! Ok, c'est dur, mais ça peut le faire. Par contre, j'ai une arme qui est très lourde et je le sens. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est les dégâts qu'il faut que je fasse, quoi. Donc tant pis, on continue comme ça, hein. J'ai quand même un truc à balancer. C'est si difficile. Je vais essayer le sabre. Pour voir. Si ça change quelque chose. Je serais peut-être un peu plus rapide. Je sais pas si j'ai un bras qui serait plus...
serait plus adapté. Je vais prendre celui-là. Juste parce que, en fait, je me dis, quand elle spawn, c'est double. Il n'y a jamais spec sur les boss comme ça. Non, pas sur les mini-boss, malheureusement. Mais là, faut juste que je trouve le bon combo, en fait. Ça va le faire. J'arrive à la mettre mid-life, mais... Zdoraka, ça se moque que je suis lente, c'est ça? Non mais dis donc, c'est qui la reine du slow run ici? Non mais non mais non mais non mais arrête de t'emballer là. On devrait pouvoir invoquer un spec comme on peut quand on comme on peut se téléporter quand on veut, c'est vrai. Vous pensez qu'elle est plus vulnérable à l'électricité? Ça se tente. Bah, je sais pas si c'est une machine ou une marionnette ou un humain, c'est bien ça le problème. C'est le maître des illusions. All of the above. Exactement, on sait pas trop. Hein. Je vais repasser à mon aiguillon. Thank you.
Quel dommage, elle a pas spawn de double. La réponse D. Bon, je pense que l'aiguillon, c'est la réponse. Mais feu ou électricité, bon, on sait pas trop, hein. J'ai pas le temps de voir parce que j'arrive pas à la taper assez pour que ça fasse une différence en fait. Commence direct là. Ok, tu te calmes. Ok, j'ai grid. Ok, d'accord. J'ai grid. Je suis d'accord. J'aurais dû m'éloigner et me soigner. Ouais, fait quand même moins 100 de... Ah, c'est pas ouf. Non, mais on peut faire ça. Comme ça, je suis méga léger. Peut-être que ça ira mieux pour... Ça utilisera peut-être moins d'endurance. J'espère qu'elle lâche un quartz, elle, hein, quand même, hein. Attendez. Je me suis trompée. J'ai failli y aller à poil. Je dis elle, mais en fait c'est peut-être il, enfin on s'en fout, mais... À poil. Je vais pas prendre l'électricité là. Tu te calmes là avec ton poignard d'abord. Ouf. C'est marcheur, ouais. Tout nu, Timothée. Mais j'ai décidé que ça serait elle. Je sais pas pourquoi. Un feeling. Ouais.
c'est ok, je pense pas qu'elle a besoin de ça pour taper de toute manière, on est d'accord. Non, non, mais loin de moi de ne pas respecter les pronoms, je... C'est chiant d'être français, voilà, c'est tout. Si on parlait anglais, on se poserait même pas la question. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'en français tout soit genré ? On s'en fout du genre des gens. Aïe. Hello Nyarla, ça va bien ? Non, 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 non. Merde. Fuck. Ça me fait quand même bien rire, les gens qui sont tout gênés d'avoir dit bonjour monsieur et qui savent pas rebondir. Bah, après... C'est chiant aussi de tout genrer tout le temps. En fait. T'as trop chaud, mais comment ça se fait? Bah oui, dis juste bonjour, en fait. Y a pas besoin de dire monsieur, madame, on s'en fout. Bref, c'était le coup de gueule du soir. Alors sinon, ce qu'on peut tenter plutôt, c'est de faire des attaques plus fortes. Avec ça, en fait. Plus de taux critique. C'est Timothée qui te fait de l'effet, Nyarla. Avec ses jolis cheveux.
Oh putain, elle m'a embroché. Ah oui, ok. Donc le fil de marionnette, ça ne marche pas même avec l'illusion. J'avoue, cette chevelure soyeuse et cette manière de monter l'échelle. Ah non, Manéa est de... Manéa a le premier mot là-dessus. Donc ça, ça sert à rien. Donc autant essayer de faire un truc avec ça. Ça m'a bien embroché quand même, hein. Alors après, sinon, j'ai une autre option aussi. C'est le cube. Non, 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 non. J'ai appuyé pour me soigner, ça n'a pas marché. Embrocher une toux poignardée, grave. Je suis pas loin en vrai, je pense que je peux l'avoir, mais... Là, c'est de la triche. Pour une fois, je me suis même pas trompée de bouton, quoi. Parce que, en fait, le cube... J'ai potentiellement le temps... Là, j'en ai plus. Bon, on va continuer d'essayer comme ça. Et si ça marche pas, j'irai racheter les cubes. Il doit bien y en avoir un qui augmente l'attaque ou un truc comme ça, je pense. Parce que j'ai le temps de l'utiliser avant de partir en combat, finalement, donc... Parce que je me fais pas attaquer tout de suite.
fuck, le poignard là. La question importante est, est-ce que le chat va bien, celui de l'hôtel? C'est une bonne question, on n'a pas été à l'hôtel aujourd'hui. Et d'ailleurs, est-ce que vos chats, chiens et autres compagnons non humains sont en bonne forme? Bah oui, chez moi ça va. Chez moi ça va. Je sais pas où ils sont d'ailleurs, quelque part. Aucune idée. Ok, alors attendez. On va faire un truc, on va faire une pause pipi. N'est-ce pas? C'est très important. Et ensuite, je pense qu'on va aller à l'hôtel chercher un cube. Et comme ça, ça nous aidera un petit peu. Donc, je reviens dans quelques minutes. À tout de suite. Heureux. Bon, finalement, changement de plan, il y a déjà quelqu'un dans la salle de bain, donc on va à l'hôtel. J'irai faire pipi après. Housequake, bah juste le temps de voir que la porte était fermée et de me dire, ah bah non, mon chéri, il se lave les dents et tout, il est en train de se préparer pour aller se coucher. Donc, eh bien, j'irai après. Et c'est pas très grave. I know my way around a weapon. Ah mais j'ai pas de sous bien sûr. De toute façon. Ah ouais mais de toute façon je peux rien faire. J'ai rien qu'il faut. Donc comme ça, ça résout le problème. Ah bah si vous insistez, moi je vais mettre la musique, hein. On en profite que Zdoraka ait pas le son. Alors. You made the right choice. Lady Antonia is completely cured. Oh, génial. She's so happy. I don't even know how to thank you. I know now what a glorious feeling it is to wish for the happiness of someone you care for. Perhaps it's presumptuous for a puppet to call that feeling love. I am happy enough just to protect her as best I can.
thank you for saving her and for guiding me through this emotion. De rien. Par contre, tu pourrais donner autre chose qu'une pierre de croissant de lune, quoi. I will be at Lady Antonia's side. Serving her is my duty. The very reason I was created. Welcome to Hotel. This is a supply box. Un croissant de lune. Officially approved by the city of Krat. I shall open it and add it to the hotel shop. Many thanks, good sir. No matter what fate serving her come to. Qu'est-ce qu'on a rajouté du coup? Ah, bah ça m'intéresse ça. Et ça aussi. Et ça aussi. Ah, et ça aussi. Ah bah dis donc. Pas sûr que ça soit assez, mais Ah oui, le chat il est là, je peux pas le caresser du coup. Ouais, les illustrations sont trop trop belles. Ce jeu est trop beau de manière générale en fait. Ah mince, je peux pas acheter ça. Je vais prendre ça, je suis un peu obligée. Hein. D'abord aller voir Gepetto. Oh, j'ai fait tomber les livres, zut. Solo. Attends, c'est pas la bonne chanson. Nouvel emplacement d'amulette. Ça peut être pas mal. C'était quoi ça? Ajout d'un emplacement de fable, ça c'est cool. Plus d'utilisation de pierres aiguisées et crampes en cas de garde parfaite. On va faire plutôt extra amulette, je pense. Thomas Red Bull, bonjour. Salut, ça va bien? C'était comment, Alan Wake? Salut, Cormano. J'espère que ça va bien, merci beaucoup pour ton raid. Qu'est-ce qu'on fait? Réprime, résistance des apprêts du bon, Attends, c'est quoi l'accumulateur de pulsations? Ah ouais, c'est ça! Donc ça veut dire que je peux... Je peux en avoir un en plus? Ah bah yes, en fait. J'ai pas la ref Red Bull de Muda Muda, je ne sais pas. Salut Spyra, tu vas bien? C'est bien Alan Wake, cool. Salut Patatar, tu vas bien? Ça va, ça mange quoi Gup ce soir? Faut regarder Jojo. Ben ouais, il faudrait, c'est vrai ça.
Bon, ça c'est bien. Charge automatiquement les accumulateurs de pulsations lorsqu'ils sont déchargés. Ça c'est pas mal aussi en vrai. Hein. Attendez, je vous laisse avec le solo, j'arrive, je me mute 2 secondes. Flocons de neige qui brillent dans le ciel, nocturne me réconforte. Je t'attends seul dans le noir, je t'attends depuis trop longtemps. Je peux t'entendre dans mon cœur, un murmure de ma propre confession. Écoute mon cœur, où es-tu maintenant? Il s'agit d'attendre toute ma vie. N'entends-tu pas ma petite voix? Je t'attends depuis longtemps. Re. Je vous ai laissé avec cette incroyable chanson, j'ai été faire pipi du coup, voilà, vous êtes contents de le savoir. Re. Ce soir on fait simple, Rosti Bernois, c'est quoi? Bernois? De Berne? Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique, c'est Rosti? Avec tous les légumes qui me restaient dans le frigo. Poivron, tomate et carottes. D'accord, très bien. Très bon. J'aime pas les poivrons. Je peux pas vous aider là-dessus. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? Consommation de légion réduite en état critique. Récupération de la durabilité d'armes. Ok, bon bah en fait, j'ai pas. On va juste prendre ça. Hein. Un accumulateur en plus, bim. Ah, avec des lardons dedans. Oh là là, mais trop bon. Bon, on était venu là pour faire quelque chose de spécifique, c'est-à-dire acheter des cubes. Et non pas des culs. Acheter les culs, exactement. T'as tout compris, Silent. Stalker, please.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Restaure temporairement les PV. Augmente l'endurance max. SPV du... Augmente la charge de Fable en attaquant pendant une durée déterminée. Restaure temporairement la Légion. Augmente la puissance destructrice du spectre. Génère une attaque de décharge électrique de spectre. Mais des trucs sans spectre, on peut ou pas? Non. Ok. Donc apparemment, je peux juste augmenter mon endurance. Et ça aussi. On va essayer ça. Hein. Cette run Lies of Heat. Bah franchement là c'est un peu la galère. Hein. On va pas se mentir. Je galère un peu. Mais ça va en vrai. Hein. Je suis dans l'avant-dernière zone. J'en suis un mini-boss là. Qui me donne vraiment du fil à retordre. Mais pas autant que le mob juste avant. Cela dit. Je sais que c'est bon du roast hivernois si j'en achèterais pas autant. C'est vrai, mais j'en avais jamais entendu parler. J'arrive pas à me caler ce soir, c'est terrible. Hein. Let's go. On refait. Ah non, attends. Le cube. Non, on va faire plutôt ça. Non, plutôt ça, ouais. On va voir si ça sert à quelque chose. Heureuse Doraka, c'était bien le jeu de rôle? C'est passé comment? T'inquiète pas, j'ai pas du tout avancé le jeu, hein. Je t'ai attendu. Maintenant que t'es là, on va pouvoir... finir ce mini-boss. Et passer à la suite, hein. Comme j'ai pas du tout avancé ce soir, c'est absolument terrible. En 2 heures, on s'est fait un mob. Il fait trop peur, lui. Alors, du coup... C'est qu'il faut. Yes! Tape! Tape fort! Tape! Encore! 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 Encore!
Mais bouge! Oh là 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 là! Ah ok, d'accord. Super! Trop bien, génial. Ouais, lui, il est relou, hein. C'était une session très fun, même si j'ai le cerveau qui fume à essayer de trouver où est l'énigme. Ah d'accord. Bah écoute, c'est cool si vous êtes bien amusés. Avec un fromage râpé et un œuf au plat par-dessus, c'est très bon les rostis. Oh là là, ça donne faim en vrai. Hein. J'ai un peu surestimé la quantité de légumes dans mon frigo. Bah bon appétit du coup, Gub. Ah mais dans ma tête, c'est ça, un crève. Ouais, l'illusion, c'est quand ça... Ouais, c'est ça. Elle est parfaite, la musique. Ouais, on a trouvé une musique qui plaît à Sdoraka. Bon, ça... Ça m'aide pas trop, ça, en fait, en vrai. On va plutôt faire ça comme cube. Let's go again. C'est son illusion là qui m'a complètement cassé mon rythme parce que je me débrouillais pas trop mal avant. Bonne idée, Silent. Bonté. Je me prends toutes ces attaques là, c'est l'enfer hein. Il sert à quoi le cube? Il sert à rien du tout là en fait. Alors lui il peut faire je sais pas combien d'attaques spéciales d'affilée et moi non. Ça sera pas serein, hein, je vous le dis. Thank you.
Quoi ce cube? Rien apparemment. Apparemment, rien du tout. Ça n'a rien changé. Non, t'endors pas Jojo, reste debout. Debout Jojo, debout Jojo. Apparemment, il est censé me restaurer temporairement les PV. Rien vu. On peut essayer celui-là, hein. Mais franchement, ces cubes, ça sert à rien du tout. Hein. Ouais, c'était pas mal en fait. J'y croyais pas du tout à ce try. J'ai pris tellement cher dès le début. Et puis en fait, finalement, j'ai quand même bien joué. Hein. Non, non. Ah. Ok, bon. En vrai, les cubes, ça sert à rien. Donc j'ai dépensé mes sous pour rien. Parce que franchement, je vois absolument aucune différence. Re-silent. T'as loupé un try où j'étais vraiment... Je suis allée vraiment loin. Et puis en fait, non. Non, 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 pas câlin. Pas envie, laisse-moi tranquille, toi. Non, c'est pas ça que j'ai dit, Silent.
prend si cher. Attends, mais d'où elle me stoppe mes attaques spé en fait en plein milieu comme ça. Yes. Sad. Bref. On recommence. Ça va finir par passer, hein. Mais c'est dur, hein. Silence et verdité. Non! Il est encore un peu chaud.
Now. Ouais, je sais que je l'ai en fait. Il faut bien que je time mon attaque spé. Et il faut pas que j'essaye d'avoir à l'attaque lourde pour essayer de le stun parce que ça marche pas en fait. C'est beaucoup trop difficile. Ce boss me rappelle quelqu'un, il a l'air presque plus robotique qu'organique, manie très bien l'épée et peut se dédoubler pour modérer deux streams à la fois. Sounds familiar. Non, Silent, elle est pas méchante comme ça. Hein. Bon up-cup. Il abuse. Ok, c'est vrai que disruption... Attends, je l'avais jamais fait celui-là encore. C'est toi face au troll. Bah putain, il fait pas bon être un troll, hein. I know my way around a weapon. Eugénie? C'est toi? Faut bien travailler l'esquive et vraiment pas grid, ouais, c'est ça. mes deux spécialités, l'esquive et pas grid, au secours. Oh! Putain, je me suis fait U.
tout ça parce que je me suis gratté l'œil, quoi. Ça. Non mais là je fais n'importe quoi. C'est ce vraiment ce coup là ça sert à rien du tout. Hein. Ah alors attendez parce que on a un chat. Attention, petite chance. Sorry, Bibi. Come here. Good boy. Je savais que c'était ce chat. Oui. Non mais là tu vois, je suis moins frustrée que le mob que j'ai fait au début, en début de session parce que je vois la progression en fait, je sais que j'en suis capable. Et du coup je sais que je vais finir par l'avoir, il suffit juste que je sois moins greedy quoi. Mais en vrai c'est le mob du début là qui m'a... Oh, c'était si dur. T'es là pour m'encourager, mon chat? You're here to support me? Je crois qu'il s'en fout, en vrai. Alors par contre, il faut se soigner là. Attends, quoi ? J'arrive tellement pas à l'esquiver là, je sais pas ce qu'il me prend. Thank you.
J'avais aucune chance. Salut Altar, tu vas bien? Bah non, mais la manette va très bien. Ouais, non, mais les illusions, c'est compliqué. Hein. Non, mais enfin, ce boss est compliqué tout court, en fait. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Ça se passe pas très, très bien. Chance, what are you doing, baby? Non. Attendez, c'est la run chat. Qu'est-ce que tu fais? What are you doing? Stop it. You stay here. Non! Ah!
fuck. Je suis une mauvaise personne, j'arrête pas d'avoir l'impression de voir à quoi esquiver la première attaque pour se mettre en parfaite position pour se prendre l'attaque suivante. Non, non, mais t'as complètement raison, Gab. Le problème, c'est que... J'ai vraiment du mal, quoi. Mais là, au lieu de taper deux fois, je tapais qu'une fois. Et c'était pas trop dégueu. Alors, on va faire autre chose. On va tester autre chose. Parce que je crois que j'ai un peu plus d'attaque avec ça. Ça commence vachement bien. Chance, tu fais de la merde. Je peux pas l'arrêter. Bon, bah, c'est pas grave. Il est passé derrière le bureau sous les fils électriques. Si ça coupe, c'est Chance. Attendez, je fais une pause, chat, j'arrive.
Oh là là, quel enfer ce chat des fois. Bon, ça m'a pas plu du tout avec le sabre. Je reprends mon fidèle aiguillon. Même si ça tape un peu plus fort. Oui, j'ai déjà testé ce Doraka et en fait, j'arrive pas à la taper assez souvent pour que ça fasse des dégâts de feu ou des dégâts électriques en fait. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pris cette aiguiseuse là, qui augmente le taux de coup critique. Parce que du coup, c'est pas un accumulateur. Ouais, et une arme rapide et agile pour mieux esquiver, exactement. Donc là, ce machin-là, en fait, la pierre à aiguiser, elle me permet de faire des coups critiques plus souvent. Et tu verras quand je la tape et que ça fait un coup critique. Genre tu vois, ça fait plus de lumière en fait, là. Là. Tu vois? Un coup pour rien. Et je sais pas si je vais y arriver ce soir. Hein. Mais dis donc, quelle session toute nulle. J'ai pas du tout avancé, je suis saoulée en fait. Oui, je vais m'hydrater, c'est une bonne idée. C'est surtout le cul de pie qui est cassé, effectivement. Peut-être qu'il faut que je reprenne mon point explosif. Je sais pas. Ça met trop de temps à se déclencher, donc je sais même pas si je pourrais m'en servir, en fait. Ça, avec le coup critique, ça fait plaisir.
Soigne-toi. J'ai pas eu le temps. Non.
ai marre. Coucou Rainbow, ça va bien? Ouais, c'est un mini boss, mais les mini boss et les mobs élites sont plus durs que les boss dans ce jeu, c'est terrible. Oh, courage Rainbow, on t'envoie des paillettes. Je suis pas sûre que ça soit le meilleur stream à regarder quand ça va pas là, vu comment je suis pas content, mais on t'envoie du love. Je voulais essayer de faire... Je suis trop... Bref. Je voulais essayer de faire la parade avec ma fable, mais j'arrive pas en fait. Le truc LBY en fait. Parce qu'il faut être super bien timé. Et du coup j'arrive pas. Mais je me demande si ça pourrait m'aider. Peut-être. Who knows? Ben, la parade de fable, ça fait... Parade de garde, pardon. pardon. Choisissez le bon moment pour dévier l'attaque de l'ennemi et déclencher une attaque puissante. Merci. Mais j'ai encore jamais vraiment réussi à le faire, donc... Ils sont où mes machins? Ah oui, là-bas. Ah!
Ouais, j'arrive pas. Je sais pas faire. L'appareil de garde, ça marche pas. Faut que j'arrête d'essayer de le faire parce que je perds des essais. Vas-y, 10 d'Oraka, je prends. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'on est dessus, là. Il est méga tard. Comme il m'a enchaîné, j'ai rien pu faire. Ah, des grenades, j'en ai plus. Esquiver latéralement du bon côté. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire. Hein. J'ai plus de grenades. Ah si, j'ai quand même quelques trucs. En fait, je suis en train de voir. L'attaque à la... Ah ouais, d'accord, il faut aussi retenir ce genre de truc. Ah, c'est ultra dur. Ouais, j'esquive beaucoup vers la gauche parce que je suis plus confortable avec ça, en fait. Avec la gauche, justement. Je sais pas pourquoi. Ça conseille par défaut de toujours esquiver la droite. Ok. On va essayer. Mais en fait, je suis en train de me dire, je vais lui balancer des trucs. Même si c'est pas le double. Hein. Mais je sais pas. Non, je suis droitière. Je sais pas pourquoi je me sens plus à l'aise d'esquiver vers la gauche automatiquement. C'est bizarre. Mais parce qu'à chaque fois que j'essaie d'esquiver vers la droite, j'ai l'impression de pas y arriver. Mais on va essayer. Je sais pas si c'est parce que je mets pas mon joystick au bon endroit, peut-être. Ouais, peut-être à cause de Jean-Michel Caméra, ça c'est bien probable. Non mais c'était un peu mieux, je me sens pas du tout à l'aise à esquiver à droite mais c'était un peu mieux effectivement.
Ouais, c'est ça. Bah, j'ai plus évité, effectivement, en esquivant vers la droite. C'est juste que je suis pas à l'aise, mais ça va le faire. Yes. Non, non, non. Oh, je dis si bien. Fuck. Ah, oh, l'enchaînement était si incroyable. J'étais coincée dans l'animation en fait, j'ai pas réussi à esquiver. J'étais si bien partie, mais ça arrive pas souvent ces combinaisons de trucs qui marchent aussi bien. Ah non non, là c'était pas du... J'étais coincée dans l'animation en fait, d'esquive. J'étais pas du tout en train d'attaquer. Et c'est pour ça que je suis saoulée, parce que c'était... Pour une fois c'était pas du grid. Du grid d'esquive, ouais, ça doit être ça. Barrez-vous! Laissez-moi me soigner. Allez, toi tu dégages. Thank you.
Je vais devoir arrêter, hein. Ça me fait chier, mais je vais devoir m'arrêter parce que sinon demain je me lève pas pour travailler en fait. Bah, le problème, c'est que si je l'ai pas dans les 15 prochaines minutes, je vais devoir m'arrêter. Ça m'embête parce que je déteste m'arrêter en plein milieu d'un truc. Mais il faut que je dorme, en fait. Bonne nuit, Spera. Bonne nuit, merci beaucoup d'être passé. Courage pour demain. En temps normal, ça me ferait beaucoup rire, mais là, j'ai pas envie de rigoler en fait. Okay, let's dance. Let's go. Frustration.
Bon. Je vais m'arrêter parce que je fais n'importe quoi en fait. Je réessaie une dernière fois et après je vais me coucher. Ça sert à rien de... Ça sert à rien d'insister, clairement. Ouais, non, j'ai pas envie de... d'écouter du tryhard ou quoi, là, ça me... Ça me tente pas. Ouais, il est trop tard pour ça. Ouais, la prochaine fois si je galère trop comme ça aussi. C'est une bonne idée. Laisse-moi récupérer mon truc là. Eh ben, let's go, on va se coucher parce que ça m'a saoulée. Je suis dégoûtée. Je suis triste parce que j'ai pas avancé ce soir et que voilà, ça me saoule. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Mais c'est pas grave. On continuera la semaine prochaine. Et ça sera très bien. En fait, ce qui me saoule le plus, c'est que j'ai pas beaucoup de temps pour y jouer. En fait, j'ai une fois par semaine et j'ai l'impression de pas avoir profité du tout. Et en fait, ça me saoule de devoir attendre la semaine prochaine pour continuer à jouer. Et donc, je me dis, est-ce que c'est pas mieux que je mette tout le reste en pause et que je joue à ce jeu jusqu'à ce que je le finisse? J'en sais rien, en fait. Je sais pas. Je sais pas. Parce que c'est chiant, en fait, de jouer qu'une fois par semaine quand j'ai trop envie d'y jouer tout le temps et j'ai envie de le finir, en fait, ce jeu. Et là, quand je vois des sessions comme ça, je me dis, bah, en fait, j'en ai encore pour 2 mois. Et c'est chiant. Voilà. Donc, je sais pas. Je verrai. Ben, c'est ça, en fait. Y jouer une fois par semaine, je me dis, en fait, c'est juste pas une bonne idée. Donc, sinon, je mets tout en pause.
jusqu'à ce que je finisse ce jeu, c'est aussi une possibilité. Je sais pas. J'en sais rien. Je vais réfléchir. Parce que là, clairement, je me suis pas amusée alors que j'adore ce jeu. Et je veux trop avancer et je veux trop voir la suite, je veux avoir la fin de l'histoire, je veux savoir ce qui se passe. Et en fait, ça me frustre. Et j'aime pas être comme ça. Donc voilà. Donc je vais réfléchir, peut-être que la semaine prochaine, on fera que ça. Et voilà, ouais, demain, on verra demain. Demain, de toute façon, c'est les Lego, donc voilà, ça sera bien différent, et puis après, on verra la semaine prochaine. Bref. Je vais m'arrêter là. Hop. Le tryhard, ce sera de retrouver les bonnes pièces demain. Putain, l'enfer. Tout à fait. Je vais vous envoyer chez Elkino qui est sur Baldur's Gate 3 du coup. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Désolée pour ce stream un peu pourri, mais c'est pas grave, ça arrive. Des bisous, passez une bonne nuit, merci à tous, merci pour votre soutien comme d'habitude. Et passez une bonne nuit, prenez soin de vous et à demain, bye bye.